Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants, la clé du mystère. Nous allons parler de médiumnité en compagnie de la médium Christine André. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Vent Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Christine André, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes médium. Comment avez-vous découvert la médiumnité et comment se traduit cette médiumnité? Comment je l'ai découverte? Eh bien, à l'âge de 7 ans, mon père a eu un accident de voiture mortel. Et je l'ai entendu quelques jours après son enterrement. Et donc, ma médiumnité, eh bien, se traduit de cette façon-là, c'est-à-dire que je suis clairaudiente, j'entends. Le plus souvent, j'entends. Et quelquefois aussi, je suis clairvoyante, donc je vois aussi les êtres partis. Mais la majorité du temps, c'est surtout de la clairaudience, donc je les entends. Donc, les voix, on les entend comment? Enfin, moi, j'ai entendu deux ou trois voix, c'est tout. Mais il paraît qu'on ne les entend pas vraiment par les oreilles. On les entend comme si on les entendait dans les oreilles, mais plutôt de partout en soi. Alors, moi, je vous dirais que je ne l'entends pas du tout par rapport aux oreilles. Non. C'est plus, je dirais, ce n'est pas de la télépathie, mais en quelque sorte. C'est-à-dire que je reçois un message qui arrive, une pensée qui s'impose, mais qui en même temps est un dialogue. C'est vrai que c'est assez difficile à expliquer ce qu'est la clairaudience. C'est vrai, c'est difficile. Disons que c'est un petit peu comme quand on se parle, on a l'impression qu'on se parle, nous, dans notre tête. Oui. Sauf que là, eh bien, on peut voir la différence si c'est une voix à consonance masculine ou féminine, partie jeune, partie moins jeune, si c'est un enfant. Donc, en fait, c'est plus, moi, au niveau de la tête que ça se passe, et un dialogue qui s'instaure dans ma tête, mais je sais très bien qu'il n'est pas, qu'il ne vient pas de moi, en fait. Oui, on peut faire vraiment la différence entre sa propre pensée et une pensée qui est imposée. Alors, j'avais beaucoup de difficultés au départ, quand j'ai eu cette médiumnité, et puis que ça s'est imposé un peu plus à moi au fil des années, jusqu'au jour où j'ai fait un voyage astral, et en fait, où après, on m'a expliqué que ce voyage astral, on me l'a fait faire pour que je puisse comprendre ce qu'était la médiumnité, puisque, en fait, en arrivant de l'autre côté, j'ai vécu, vous savez, un petit peu ce que vivent les personnes qui vivent des NDE. J'ai vu le tunnel, la chaleur, j'ai été dans le tunnel, j'ai vu la chaleur au bout, avec cette lumière intense et qu'on peut absolument pas décrire sur Terre. Oui. Et puis, donc après, je me suis retrouvée dans un champ de fleurs blanches, après j'ai vu ma grand-mère qui était partie il y a quelques années, avant, et après mon père. Et là, en fait, je communiquais, que ce soit avec l'être qui m'a accompagnée, qui était sans visage, et après j'ai su que c'était mon guide, ou que ce soit par rapport à ma grand-mère ou à mon père, je dialoguais avec eux, enfin si on peut dire dialoguer, on s'envoyait des pensées de façon tout à fait naturelle, je recevais des pensées, je les renvoyais, et en fait quand je suis revenue après de ce voyage, ils m'ont dit, voilà, on t'a fait faire cela pour que tu comprennes ce qu'est la médiumnité, c'est en fait la communication dans l'au-delà, on communique comme ça et tu vois que ça pose aucun problème. Et en fait, cette communication, elle se faisait d'une manière télépathique, mais est-ce que vous entendiez des paroles? Oui, tout à fait. Oui, on entend les paroles. Et cette dimension où vous êtes allé donc après le tunnel, est-ce que cette dimension, je parle en intensité, à ce que l'on vit ici sur Terre, là en ce moment par exemple, ou beaucoup plus fort, beaucoup plus intense? Non, je dirais que c'est absolument pas, on ne peut pas trouver une intensité aussi forte sur Terre. Enfin, pour moi, de ma part, oui. Je n'ai pas vécu d'intensité aussi forte. Cette lumière,
je pense que cette lumière que j'ai vécue en étant dans le tunnel et en me rapprochant de plus en plus de cette lumière et de cette chaleur, je dirais qu'une lumière comme ça sur Terre nous aveuglerait totalement. Oui. Je dirais, je ne sais pas comment on peut donner d'exemple, c'est le soleil puissance 100 peut-être, vous voyez, à regarder, c'est pas possible. Alors que là, en fait, on entre dans cette lumière et dans cette chaleur, on est baigné dedans, quoi. On est baigné d'amour, enfin c'est quelque chose qu'on peut à peine décrire avec des mots terrestre. Il y a une intensité qui est exceptionnelle. Et tout est en douceur, en amour, quoi. Tout est douceur, tout est amour. Moi, quand je suis arrivée de l'autre côté, que j'ai vu cet être qui n'avait pas de visage, mais qui est habillé, vous savez, comme un moine, oui, en blanc, mais sans visage. Et il m'a amené dans un champ de fleurs blanches, mais superbes, et de douceur, d'amour. Et voilà, tout était en plénitude comme ça. C'était assez exceptionnel à vivre, je dois dire, oui. Est-ce que vous n'avez pas la nostalgie, justement, de cette incursion dans l'au-delà? Alors la nostalgie, non. Il est vrai que quand j'ai retrouvé mon père de l'autre côté, j'avais pas spécialement envie de repartir. Ça, je me rappelle très bien que je lui ai dit non, je veux pas repartir. Et lui m'a répondu mais si, parce que tu as encore des choses à faire et donc ton moment n'est pas venu. Mais il y avait une question, alors qui peut paraître peut-être un petit peu ridicule quand on est sur Terre, mais que je lui ai posée, je m'en souviens très bien. Je lui ai dit, est-ce que je vais te retrouver au moins quand je vais revenir? Et lui m'a répondu mais bien sûr, 40 ou 50 ans de votre vie, c'est rien pour nous. Bien sûr que tu vas me retrouver, mais maintenant il faut que tu retournes. Je dois dire que non, je n'ai pas la nostalgie de l'autre côté. Maintenant, j'ai une transformation totale dans ma vie depuis. C'est-à-dire que, si vous voulez, je ne m'attache plus à tout ce qui peut être futile ou des choses qui n'en valent pas la peine. Oui, oui. On va à l'essentiel. C'est tellement beau ce qu'on a vécu et on se rend compte tellement de la valeur qu'il y a quand on est de l'autre côté. Et puis aussi de la valeur de la vie, en fait. On se rend compte de la vraie valeur de la vie et que se faire du souci pour des petites choses, ça n'en vaut pas la peine, quoi. Parce que le temps passe vite et on se dit que, bon, on a la chance d'être sur Terre et qu'il faut faire beaucoup. Le plus possible par rapport aux autres, et puis que ça vaut pas la peine de s'attarder sur des choses, des broutilles, quoi. C'est sûr, mais on est des humains. Oui, on est des humains, donc je ne vous dis pas que par moment ça revient pas, hein. Oui. Mais c'est vrai qu'après on a le réflexe, en ayant vécu cette chance que j'ai eue de vivre ce voyage astral, dès que ça revient, que je commence à me faire du souci pour des petites choses qui n'en valent pas la peine, je me dis non, tu peux pas, par rapport à ce que tu as vécu, c'est pas possible. Ça apaise. Et puis surtout, ça donne une force énorme face aux soucis qu'on traverse, parce qu'on a tous des épreuves. Et je dis pas que les épreuves, on les vit pas difficilement, bien sûr que oui, comme n'importe quel autre être humain, mais en même temps, après, on se pose la question de se dire pourquoi. Pourquoi on doit vivre ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Oui. Puis après, on est un peu plus décontracté quand même. Ah oui, certainement. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Je vous pose cette question parce que j'ai fait des émissions avec Chantal Cachia, Nicole Dron, qui tiennent ce même langage, qui ont vécu la même chose finalement. Oui. On en revient transformé. Vous savez, je ne pense pas qu'on puisse reprendre une vie, la même vie qu'avant, en ayant vécu cela. Quand on a été dans cette dimension-là, c'est plus possible. Finalement, quelque part, c'est le but. C'est le but et c'est un énorme cadeau. Oui, c'est sûr. C'est un énorme cadeau, oui. Alors, dans l'un de vos ouvrages, vous parlez de vieilles âmes. Qu'est-ce que vous entendez par vieille âme? Compte tenu que moi, j'avais fait justement une émission avec Nicole Dron qui disait dans son témoignage de NDE qu'elle avait toujours vécu, qu'elle avait pris conscience en étant de l'autre côté, qu'elle avait toujours existé et qu'elle existerait toujours. Alors donc, comment on peut concevoir vieilles âmes puisque ça implique un début? Alors je suis complètement d'accord avec Nicole Dron, simplement parce que voilà, on existe toujours. Ouais. Quand il nous parle d'une vieille âme ou d'une jeune âme, c'est par rapport à la Terre. Ah oui, ce n'est pas par rapport à l'au-delà, c'est par rapport à une vieille âme pour eux. D'après moi, l'enseignement que j'ai pu recevoir des guides, pour eux, une vieille âme, c'est une personne, un être humain qui a fait déjà plusieurs passages sur Terre et qui en a fait davantage que d'autres. Et une jeune âme, une âme qui a demandé à s'incarner de façon récente sur Terre, qui est à ses premières vies sur Terre. Donc c'est vraiment la notion par rapport à la Terre et pas par rapport à l'âme dans l'au-delà, en fait. Oui, c'est en rapport avec le cycle terrestre. Absolument. Alors on parle souvent de la réincarnation et du même coup d'épreuves qui nous sont données. À quoi servent ces épreuves? Qu'est-ce que ça apporte à la personne qui est venue s'incarner sur Terre? Évolution de l'âme. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous disent qu'on choisit notre parcours avant, qu'on choisit nos parents, qu'on choisit les différentes épreuves de notre vie par rapport justement à des passages précédents où on a pu ne pas tout comprendre.
et on demande à revenir les vivre pour voir cette fois-ci comment on va réagir face aux mêmes situations qu'on a pu par le passé ne pas comprendre. C'est pour ça qu'ils nous disent qu'il n'y a jamais d'échec en fait. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des manques de compréhension. Eh bien on essaye, soit ils nous les font se reproduire plusieurs fois dans la même vie, et si on n'arrive vraiment pas à les comprendre, eh bien on peut effectivement demander à avoir un autre passage où on va nous remettre un petit peu en scène ces différents comportements que nous n'avons pas compris, pour voir là comment on peut réagir. Donc on choisit ça, pour essayer de définitivement se débarrasser d'un défaut, d'un comportement qui peut être négatif, pour le comprendre et s'en débarrasser pour notre évolution d'âme. Et ils nous disent que plus on comprend et plus on arrive à se défaire de choses qui peuvent être lourdes pour nous, et bien plus on va arriver léger de l'autre côté, plus on va arriver à s'épurer avant de partir, et donc arriver de l'autre côté, éviter de vivre justement ce qui peut arriver quelquefois, de la culpabilité, des remords, de la colère. Alors qu'est-ce que vous répondriez aux personnes qui ont peur de la réincarnation ? Ben moi je leur dirais, comme nous disent les guides, que c'est déjà bien important de vivre cette vie-là et de ne pas forcément penser à la réincarnation, parce qu'ils nous disent qu'en fait, la réincarnation n'est pas du tout ce qu'on pense, n'est pas du tout comme on pense, que d'abord il n'y a pas que la Terre où on peut aller faire des parcours, mais qu'il y a bien d'autres endroits, et puis ils nous disent que, en fait, comme il n'y a pas de temps, et bien que... un être qui s'en va, de toute façon, ne va pas refaire de parcours avant que tous ceux qu'il a connus soient arrivés de l'autre côté. Donc il nous dit, ça peut-être, s'il fallait vraiment donner une équivalence, ça pourrait peut-être correspondre à une centaine d'années pour nous. Et ils nous disent, l'important, c'est de mener à bien votre vie là, et ne pensez pas au reste. L'important, c'est de bien avancer dans cette vie-là, d'être dans l'amour, puisqu'ils nous disent qu'en fait, voilà, on n'arrive qu'avec l'amour, on repart qu'avec l'amour. Donc ils nous disent, essayez le plus possible de tourner votre vie vers l'amour dans tout domaine, et ne vous posez pas de problème, ne vous inquiétez pas de ce que pourrait être la réincarnation ou quoi. Et peut-être prendre aussi la réincarnation comme une aventure, quelque part. Comme une aventure, et surtout, que je pense que la difficulté que l'être humain, que l'on a tous, que tout être humain a, c'est de réaliser que passer de l'autre côté, nous retrouvons notre pleine conscience. Oui. Donc nous n'avons pas du tout la même façon de voir les choses dès que nous passons de l'autre côté, parce que reprenant notre pleine conscience, eh bien en fait tout est un tout, tout est dans tout. C'est évident. On n'a plus du tout cette appréhension de tout, comme on peut avoir sur Terre, pour plein d'événements qui peuvent arriver, comment on va faire, comment ça va se passer, même cette peur que nous avons de ce que nous appelons la mort, qui n'est pas du tout une mort, mais une frontière d'énergie, en fait. Oui. Et en fait, ils nous disent, mais non, parce que quand vous arrivez de l'autre côté, vous êtes détaché de ça, et vous comprenez que là, vous êtes un tout dans le tout, et donc il n'y a plus de soucis de tout ça, quoi, en fait. Oui. Ce sont des peurs qui sont très terrestres. Oui, tout à fait, on a peur de tout ici, ça c'est sûr. On a peur de tout, en fait, oui. Mais si on se met en réflexion, en méditation, on arrive à sentir ces choses. Tout à fait, bien sûr, bien sûr, quand on arrive vraiment à lâcher son intellect et à lâcher prise, on est en connexion et on ressent ça. Et on ressent qu'en fait, on appartient à l'univers, on fait partie de l'univers, quoi. On appartient à l'univers parce qu'on en fait partie et on est tous reliés les uns aux autres. C'est sûr. Et c'est ça qui est magnifique, que ce soit avec les arbres, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec les êtres humains, on est tous reliés. Tout à fait, oui. C'est extraordinaire. Et en tant que médium, là, je peux absolument remarquer qu'actuellement, eh bien, nous avons des messages de plus en plus fréquents avec les animaux. Nous pouvons communiquer avec les animaux. Alors il ne s'agit pas d'avoir contact avec un chien ou un chat qui est parti, c'est pas dans ce sens-là d'avoir un contact avec eux, mais de se rendre compte qu'en fait on peut recevoir leurs pensées. J'ai été amenée à être en contact avec des animaux sauvages, notamment des loups, et en fait j'ai pu prendre conscience qu'on peut communiquer avec eux. C'est extraordinaire. C'est formidable. C'est fabuleux, oui. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au Pays Toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir ?
Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Christine André. C'est la clé du mystère. Nous parlons de médiumnité. Alors nous sommes dans un monde en mutation, pris dans des turbulences, un monde très dur finalement. Comment faire face à toutes ces difficultés sans trébucher? Alors oui, c'est vrai qu'on est dans un monde actuellement dur, et puis que l'année 2012 est une année qui est une année charnière de compréhension, en fait, il nous dit, c'est-à-dire que on doit comprendre où on en est, ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Et donc, en même temps, ça va être une année exceptionnelle parce qu'on va recevoir des vibrations très fortes qui vont nous aider à passer tous ces chaos qui sont un petit peu partout. Mais avant tout, ce qu'il nous demande, c'est de sortir de la peur, toujours, en fait. De sortir de la peur, de ne pas trop écouter les messages, les nouvelles qu'on veut nous faire passer, qui sont toujours catastrophiques. Oui. Ils nous disent, restez surtout centrés sur nous. Ne rentrez pas dans la peur, parce que c'est cette peur qui va vous empêcher d'avancer et de trouver votre vraie place et de recevoir ces belles vibrations qu'on va tous recevoir dans l'année 2012. Donc en fait, je pense que par rapport les épreuves, eh bien il faut comprendre là que maintenant on doit savoir où on est. Donc les épreuves qui nous sont envoyées, c'est vraiment pour qu'on arrive à réaliser qu'on n'a peut-être pas été juste avec nous-mêmes, avec notre âme telle qu'on l'avait conçue au départ, et que donc là il y a peut-être des choses à remettre en place, on peut encore le faire, et puis de comprendre surtout qu'il ne faut pas être dans la peur, que c'est une transformation. Vous savez qu'en même temps ils nous disent qu'on a une chance énorme parce que nous sommes en train de vivre un changement d'humanité. C'est ce que j'allais vous dire justement. Et que en fait ils nous disent qu'il y a beaucoup d'âmes qui voulaient être là à ce moment-là, que toutes n'ont pas pu, et que nous avons une chance énorme d'être incarnés au moment de ce changement d'humanité et de vivre ce changement d'humanité. Et on nous dit c'est ça que vous devez garder à l'esprit. Ça passe par de l'épuration, donc par des chaos, c'est clair, mais en même temps, il nous dit, vous avez une chance extraordinaire de vivre ce changement. Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, on est dans la phase vraiment finale, terminale, on arrive vers la fin de quelque chose et on va basculer vers quelque chose de positif? Voilà, de beaucoup plus positif, un changement, c'est-à-dire qu'on va commencer à passer dans une phase où l'amour va reprendre toute sa place. Et donc, évidemment, par rapport au monde dans lequel on est en ce moment, où c'était avant tout, depuis des années, où c'était plus le pouvoir, l'argent qui était en avant, il est évident qu'il y a des perturbations. Mais nous sommes là, nous arrivons vraiment, c'est pour ça que l'année 2012 est importante, parce que nous arrivons vraiment au moment où on va passer dans une autre dimension. Donc il n'y aura rien de spécial. Voilà, faut rassurer les gens. Il n'y a pas de fin du monde. Non, ça n'existe pas. Bien sûr. Ça n'existe pas. C'est une transformation de l'être. En fait, ils nous disent que les enfants qui naissent sont déjà à ces vibrations-là et que nous allons les recevoir dans l'année pour nous permettre de passer à un taux vibratoire supérieur et de pouvoir comprendre que nous devons nous ouvrir à autre chose qui soit totalement tournée vers l'amour et non plus attachée à nos petites valeurs matérielles qui en fait ne représentent rien. C'est complètement illusoire, quoi, en fait. L'amour, le partage. Il n'y a que l'amour et le partage. Il n'y a que ça, en fait. Parce que quand on ouvre son poste de télévision à 20h, c'est plutôt une catastrophe. Vaut mieux le refermer tout de suite parce que, bon, on espère justement que toutes ces choses vont se transformer. On a des médias, on a des façons de transmettre des messages qu'on va quand même diffuser autre chose que ces immondices. Parce que faut appeler ça comme ça. C'est ça qui est dangereux et dont ils nous parlent en ce moment. C'est pour ça qu'ils nous disent arrêtez avec les nouvelles, les JT et tout ça qui ne font que drame, ne rentrez pas là-dedans, et si vous ne pouvez pas faire autrement que d'être imbibé de ça, eh bien vous arrêtez, vous coupez votre télé et vous regardez autre chose, mais vous sortez ces informations qui ne font que vous essayez de vous mettre dans la peur. Voilà, en fait c'est ça. Et ils nous disent, il n'y a vraiment pas de quoi, restez centré dans la lumière et vous allez traverser cette période-là. Vous allez pouvoir arriver à passer dans toute cette période de turbulence, mais ne restez pas dans cette peur qu'on essaye de mettre en vous par les informations. C'est ça en fait, oui, tout à fait. Alors, on va quand même prendre des nouvelles de nos amis qui se trouvent de l'autre côté. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont bien? Voilà. On voudrait savoir comment ils occupent leur temps.
quelque part, la journée. C'est très variable. Ah ouais. C'est très variable. Déjà, il n'y a pas de journée. Non, non, mais enfin, c'est une image. C'est très variable. Parce que vous savez, il y en a certains qui vont vous dire, on reçoit des messages où ils nous disent qu'ils prennent leur temps et qu'ils aiment se retrouver avec ceux qu'ils ont connus avant et qu'ils prennent leur temps par rapport à l'évolution. Vous en avez d'autres qui nous disent qu'en fait, ils sont sur Terre à envoyer de l'énergie, alors certains par rapport aux enfants qui sont malheureux, d'autres c'est dans les hôpitaux, d'autres c'est par rapport aux gens qui sont dans des situations très précaires, d'autres nous disent qu'au contraire ils sont de l'autre côté et qu'ils s'occupent de ceux qui arrivent, qui ne croyaient en rien pour essayer de les aider. Vous en avez d'autres qui nous expliquent qu'ils s'occupent de ceux qui sont arrivés, qui ont interrompu leur contrat. Pour eux, ça veut dire le suicide. Oui. Et qu'ils les aident à retrouver leur lumière, puisqu'il n'y a pas de jugement de l'autre côté, mais qu'ils aident ceux qui ont interrompu le contrat à retrouver leur propre lumière et à se pardonner. Donc, c'est multiple. Ils nous parlent aussi souvent d'une énorme bibliothèque. Oui. On ne sait pas ce que c'est que cette bibliothèque, on nous parle souvent, qui est une énorme bibliothèque, et que là, c'est un plaisir d'apprendre. Mais je crois qu'en fait, on se fait, en tant qu'être humain, plein d'idées et qu'on essaye de visualiser comment ça peut être. Je crois qu'on aura de grandes surprises quand on arrivera de l'autre côté, que ça sera totalement différent de ce qu'on peut penser, nous, avec notre petite conscience humaine. Mais vous l'avez vu, vous ? Assez développée. J'en ai vu qu'une toute petite partie. Oui. J'ai vu la partie qui était, qui était accessible pour un être qui devait retourner sur Terre. Mais pas tout vu, quoi. Je ne suis pas allée là où vont les êtres qui partent définitivement. Oui. Mais finalement, c'est multidimensionnel. Tout à fait. Vous en avez qui nous disent qu'ils voyagent beaucoup, qu'ils se déplacent beaucoup. Enfin, c'est bon, on sait très bien qu'ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. En tout cas, il y a beaucoup d'amour quand on reçoit des messages. Alors, bien sûr, il y en a qui sont aussi perturbés. Je veux dire, on ne peut pas dire que tout est complètement idyllique. Et il y a des êtres qui arrivent de l'autre côté qui ont plus de mal à trouver la lumière, qui ont plus de mal à se pardonner par rapport à des choses passées ou à comprendre leur parcours, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui ressort toujours, c'est qu'ils ne sont jamais seuls et qu'il n'y a aucun jugement, donc que les guides qui sont près d'eux, ou les êtres, les âmes qui ont demandé à aider dans ce sens-là, eh bien c'est sans jugement et c'est beaucoup, beaucoup d'amour qui peut être envoyé à ce moment-là à toutes ces âmes qui peuvent être un petit peu en difficulté. Alors justement, est-ce que c'est pas un choc finalement, on a l'habitude de vivre dans un corps, dans une vie étriquée ici sur Terre. Est-ce que c'est pas un choc pour certains quand ils arrivent de l'autre côté avec cette dimension gigantesque? Ça peut être. On reçoit quelquefois des messages d'êtres qui nous disent qu'ils n'ont pas compris, qu'ils se demandaient un petit peu où ils se trouvaient, qu'ils n'arrivaient pas à trop réaliser, parce que en fait, c'était des âmes qui n'avaient pas du tout, enfin des êtres humains qui n'avaient pas du tout, qui ne s'étaient pas intéressés à tout cela avant. Oui. Et donc, qui se retrouvent là, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils nous disent que de plus en plus, on s'ouvre à cela. Que de plus en plus il faut en parler sur Terre, encore quand même assez fermé, mais ça s'est bien ouvert quand même depuis une dizaine d'années. Heureusement. Et qu'il faut de plus en parler, et il nous dit, si vous avez une personne qui est malade, et que vous allez voir, et que vous savez que cette personne va s'en aller, bien sûr de ne pas lui dire, oui, bah, on sait que tu vas t'en aller, mais si la personne commence à expliquer qu'elle a peur ou quoi, et bien essayer de la rassurer en lui expliquant déjà qu'elle va retrouver ce qu'elle aimait. Oui, parce que c'est assez quand même dramatique ce que certains vivent ici sur Terre. Surtout être dans l'obscurité comme ça, sans contact, c'est assez déstabilisant. Bien sûr, et quelquefois d'ailleurs par rapport à des personnes qui n'ont pas été du tout ouvertes, eh bien elles pensent qu'elles dorment. Elles ne réalisent pas qu'elles sont passées de l'autre côté. Mais bon, après, voilà, je pense que c'est important, dès qu'on le sait, dès qu'on a une certaine ouverture par rapport à l'autre monde, je pense que quand quelqu'un s'en va, l'important c'est d'arriver à lui parler beaucoup, beaucoup. Alors certains auditeurs nous disent, toutes les religions confondues, nous ont pas expliqué exactement ce qu'il en était, et les religions n'ont pas évolué dans leur discours. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de l'autre côté, en fait, quand ils nous parlent de la religion, ils nous disent simplement quelque chose, que la religion est bonne. Toutes les religions sont bonnes à partir du moment où elles n'enferment pas. Donc c'est à l'être humain de prendre ce qui est bien dans la religion, ce qui peut lui apporter un enrichissement spirituel, une façon de comprendre comment ça peut être, mais à partir du moment où il va se trouver complètement enfermé dans une religion, ils nous disent là ce n'est plus bon, parce que en fait le but c'est d'être ouvert à tout, et la plupart du temps une personne qui est trop dans une religion, quelle qu'elle soit, va se fermer.
C'est ils sûr. Me disent là, après, c'est plus possible. Donc ils insistent sur le fait que la religion, toutes les religions sont bonnes, à condition de prendre le départ de la religion et pas ce que les hommes ont voulu en faire derrière. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud! Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Christine André. C'est la clé du mystère. Nous parlons de médiumnité. Est-ce que vous pensez justement, comme certains nous disent, qu'on va aller vers une religion universelle, une religion qui saura apporter le vrai message et expliquer ce qu'est l'au-delà, l'après-vie, etc. Je dirais que ça sera peut-être plus ce qu'on appelle une religion à ce moment-là. Oui. Et je pense qu'avant qu'on en arrive là, il y a beaucoup, beaucoup de temps encore sur Terre à passer avant qu'on puisse en arriver à ça. On va s'ouvrir individuellement, ce qui va faire qu'on va tous, au fur et à mesure, pouvoir communiquer entre nous là-dessus. Mais avant qu'on soit tous, on voit bien là déjà le décalage qu'il y a entre les pays. Il y a certains pays qui sont quand même beaucoup plus ouverts que d'autres. Donc avant qu'on ait une religion qui soit mondiale, je pense que ça sera peut-être nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui vivront peut-être ça, il faut le souhaiter de tout cœur. Oui, oui, oui. Vraiment magnifique si on arrive à ça. Ce qu'ils nous disent en tout cas, oui, c'est qu'on va vers quelque chose qui sera de toute façon beaucoup plus dans l'amour. Ils insistent là-dessus toujours, hein. Beaucoup plus dans l'amour pour arriver à prendre conscience que la Terre n'est qu'un passage pour nous permettre d'aller vers quelque chose encore de plus beau après. Alors, est-ce que c'est normal qu'on soit ici, entre guillemets, parachuté comme ça, sans avoir de point de repère? Enfin, certains ont des points de repère puisqu'ils sont médiums, mais est-ce que c'est normal qu'on ait plus le fil conducteur qui nous permet de dire « oui, je viens de quelque part » en ayant en même temps une amnésie pour faire son travail ici sur Terre? Ou alors on nous a fermé le mental dès l'arrivée sur Terre? Alors, on nous enlève la conscience de notre parcours. En fait, on choisit un parcours, on enlève cette conscience de ce parcours à l'âge de 1 an. Enfin, moi, je vous parle de ce que j'ai reçu. Ça n'engage que moi. C'est par rapport à ce que les guides m'ont expliqué en me disant qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a des âmes qui peuvent demander à repartir avant ces 1 an. Et dans ces cas-là, quand elles ne veulent plus faire leur parcours, qu'elles préfèrent repartir parce qu'elles pensent qu'elles ne pourront pas supporter, c'est ce qu'on traduit par la fausse couche ou le mort-né ou la mort subite du nourrisson. Et après, ils m'ont expliqué qu'à partir d'un an, donc, c'était définitif et qu'on nous enlevait la mémoire de ce qu'on avait choisi. Mais par contre, d'abord, on est tous médiums au départ. Oui, oui, oui. Nous sommes tous médiums au départ. Soit ça reste, soit ça se ferme. Mmh. Et nous sommes tous médiums. Et ils nous disent qu'on a tous possibilité de nous retrouver. Ah bah, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, c'est le principal. Il faut travailler, alors. Il faut travailler. Alors, il est vrai qu'après, ils nous précisent que justement, comme on parlait tout à l'heure, une âme jeune sur Terre aura plus de difficultés à retrouver et à se repencher sur les questions essentielles de son existence qu'une âme qui a déjà fait plusieurs parcours et qui a déjà une connaissance spirituelle sur Terre. Mais on a tous possibilité de retrouver, mais il faut travailler sur soi tout le temps. Christine André, vous donnez des conférences à Paris, en province. Quels sont les différents thèmes que vous abordez dans ces conférences? Alors, bon, la toute première que j'ai pu faire, évidemment, elle était sur les médiums et la médiumnité. J'en ai fait une sur la fratrie. J'en ai une sur la fratrie qui parle justement de ce que vivent les enfants qui perdent un frère ou une sœur. Parce que c'est important aussi, parce qu'on parle essentiellement, je reçois beaucoup de parents en tant que médium. Ouais. Eh bien, les frères et les sœurs vivent des choses très, très difficiles aussi. Et donc, on m'avait demandé, parce qu'en fait, ce sont toujours des sujets que l'on me demande de faire, que les guides me demandent de faire. Donc, la fratrie m'avait demandé d'en parler. Ils m'ont demandé de parler du parcours de l'âme, le parcours de l'âme, parcours d'une vie, donc du moment où on choisit sa vie et jusqu'à temps qu'on repart de l'autre côté. Les dernières, en fait, on m'a demandé de parler donc des vieilles âmes, de parler comment réagir dans ces périodes en chaos,
Là, tout dernièrement, on m'a dit qu'on allait commencer à me donner tout un texte pour une conférence où j'allais parler du fil d'or, c'est-à-dire ce fil d'or qui étant ce qui nous relie entre un être que l'on a aimé et qui est passé de l'autre côté. Oui. Donc le fil qui nous relie d'un monde à un autre est absolument indestructible. Ils m'ont demandé de parler de ce fil d'or. Voilà, donc essentiellement, toujours en contact avec, avec ceux de l'autre côté, expliquer comment ça se passe un peu de l'autre côté. En fait, le but premier, c'est d'arriver à ce que l'être humain n'ait plus peur de ce qu'il appelle la mort, qui n'est pas de mort, qui n'est qu'une transformation. C'est le but premier pour les guides, et puis de comprendre en fait pourquoi on est là, pourquoi on a ces épreuves. Voilà, c'est ça en fait, la priorité maintenant par rapport aux guides, de ce que les guides veulent nous faire passer, c'est ça, c'est que l'être humain comprenne qu'il n'est pas venu là comme ça, que ces épreuves ne sont pas pour rien, pour une évolution, que ça ne sert à rien d'en vouloir à son père ou à sa mère parce qu'on les a choisis, et qu'il faut plutôt comprendre pourquoi on a choisi ces parents-là, et que tout ça nous permette d'avancer pour avoir notre âme qui va aller dans une évolution haute, sur un autre plan, quand on arrivera de l'autre côté, continuer cette évolution avec des plans plus hauts à chaque fois. Alors ce qui est très drôle, c'est quand on vous entend parler, vous les médiums, et puis aussi les messages qui sont adressés par les guides ou par les personnes décédées, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, qui sont plus vivants que nous finalement. Oui. On a plus cette impression d'avoir un aspect religieux, on a plus l'impression d'un ressenti magique et féerique. Ah ben complètement. Enfin moi je le vis comme ça. Oui, c'est ce que je ressens moi. Je le vis comme ça complètement. Oui, tout à fait. Une ouverture vers la vie dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur où tout est permis. Tout est permis dans l'évolution. Où celui qui a été le plus négatif possible sur Terre aura quand même la possibilité de comprendre et de trouver sa lumière. Ah oui, il faut le souhaiter. Donc c'est une ouverture fantastique. C'est formidable. C'est formidable. Il n'y a pas de jugement. Mmh. Et où en fait, c'est pour ça qu'ils nous disent, mais arrêtez de vous juger les uns les autres. Vous ne savez pas pourquoi tel ou tel être a sa vie sur Terre. C'est vrai. Et ce n'est pas parce que cet être peut faire avoir des comportements extrêmement lourds sur Terre, mais arrivé de l'autre côté, il aura lui aussi la possibilité de comprendre et de se tourner vers la lumière. Mmh. La lumière ne lui sera pas fermée, il n'y a aucun jugement. C'est ça qui est magnifique, c'est que Dieu est amour, si on veut reprendre dans la religion, et si on reprend le côté spirituel, et bien on dira que la source est amour. Est amour, oui. La lumière est infinie, voilà. Oui. Il y a de la lumière pour tous. Ça, c'est un magnifique message. Alors, on va rassurer certains auditeurs qui nous parlent souvent du passage. Donc, beaucoup de personnes ont peur du passage de la Terre à l'au-delà. Donc, comment ça se passe? Certains nous disent, on s'en aperçoit même pas. Non, on s'en aperçoit même pas. C'est-à-dire qu'ils nous disent que le passage, c'est exactement, on le vit de la même manière que lorsqu'on se réveille le matin. Ils nous disent, est-ce que vous avez peur quand vous vous réveillez le matin? Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes passé d'un état à un autre? Eh bien, vous le ferez dans l'autre sens. Quand vous partirez de l'autre côté, vous partirez de cette vie et vous vous retrouverez dans l'autre. Le passage sera aussi doux. Ils nous disent, autant vous pouvez craindre en étant humain la souffrance d'une maladie, par exemple. Donc, les causes du départ avant, mais ils nous disent le passage par lui-même, mais absolument pas douloureux. Et je peux vous dire que d'avoir vécu, en fait, ce passage avec le tunnel et la lumière, où en fait, après, ils m'ont expliqué que c'était ça le passage, alors là, je peux vous dire que je suis totalement rassurée depuis. Pour moi, il n'y a plus de peur du tout par rapport au départ, parce que c'est quelque chose de tellement beau, et où on se sent tellement porté, où c'est tellement magnifique. Et vous savez, ça fait 30 ans que je reçois en médiumnité, donc j'ai pu avoir des contacts multiples et de toutes sortes, avec même des êtres qui ont eu des difficultés en arrivant de l'autre côté, bien sûr, ils m'ont expliqué. Mais je n'ai encore à ce jour jamais eu un être qui m'a dit que ça avait été terrible pour lui de passer de l'autre côté. C'est une idée qu'on se fait encore sur Terre, quoi. De l'inconnu, en fait. De l'inconnu, oui. La peur de plonger dans la piscine. Voilà, et de ne pas savoir ce qu'on va trouver de l'autre côté, c'est ça, en fait, c'est cette peur de l'inconnu. C'est surtout ça, oui. Alors, vous avez un site internet, que peut-on trouver sur ce site? Alors, ce qu'on peut y trouver, j'explique d'abord ce qu'on peut attendre lors d'une consultation médiumnique, ce qu'on peut attendre et ce qu'on ne peut ne pas attendre du tout, enfin, ce qu'il ne faut surtout pas
demander quand on vient consulter un médium. Et puis, eh bien, vous pouvez trouver les différents ouvrages que j'ai pu publier. À ce jour, j'ai publié 5 ouvrages. Mmh. Et puis, je parle aussi, j'informe des conférences, des différentes conférences que je peux faire sur Paris et sur la province. Vous venez dans le sud de la France ? Dans le sud, malheureusement, non, j'ai pas de demande. Ah, faut venir. J'aimerais bien. À Toulouse, à Marseille, à Nîmes, à Nice. Moi, je suis complètement ouverte à tout ça, il n'y a pas de problème. On va lancer un appel. Je vais dans le nord, je vais vers la Savoie, beaucoup, je vais sur la Bruxelles, je vais en Suisse. Mais c'est vrai que je suis déjà allée en Bretagne. Oui. Mais c'est vrai que non, sur le sud, si je suis allée déjà avec l'association Infinitude, oui. Voilà. Mais autrement, non, et je suis allée une fois, alors je vais à Valence avec Rénal de Rousset, mais vraiment Nice, Toulouse, non. Non. Non, on m'a jamais demandé de venir dans ces régions-là. Faut venir vers le soleil, vers la lumière. Ah mais moi je suis complètement par contre. Donc, j'espère que vous viendrez un jour, vous serez invité et vous viendrez nous rejoindre dans le sud de la France. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, vous allez nous donner l'adresse du site internet. Oui, alors c'est christine-andré, sans accent, ouais. .com. Alors, vous avez un message adressé aux auditeurs ? Ah oui, surtout qu'ils ne se découragent pas. Surtout qu'ils ne perdent pas l'espoir que l'amour est le plus fort que tout. Et qu'on va avoir de très belles vibrations qui vont arriver, qui vont nous permettre de comprendre encore plus vers quoi on va, ce que sera notre au-delà après, et ce que va être surtout notre vie une fois qu'on sort de toutes ces turpitudes dans lesquelles on est. Donc surtout qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils gardent confiance, qu'ils lâchent prise le plus souvent possible. S'adressent à leur guide. Nous avons tous un guide. Aimer la vie avec un grand A. Aimer la vie avec un grand A, prendre conscience de cette formidable aventure qu'est la vie et de tout ce qu'elle nous offre. Merci Christine André d'avoir partagé ce moment avec nous. Au revoir et à très bientôt. Merci à vous de m'avoir invité. À très bientôt j'espère. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.